Cette cérémonie a également pour objectif de dire merci à chacun d'entre vous pour la qualité du travail ainsi que l'engagement dont vous avez fait montre et vous continuez à faire montre chaque jour. Donc merci à chacun d'entre vous. La manne exprime sa gratitude de façon spéciale aux anciens à qui elle doit ce fleuron de l'économie. Certes, une remise d'attestation et une remise de médaille ne suffira jamais à vous signifier toute notre reconnaissance, mais elle se veut notre manière tous ensemble de vous l'exprimer. Nous avons sur 2021 eu une année qui se pourrait dire être record parce que nous avons augmenté notre chiffre d'affaires de plus de 50% comparativement à 2020. Donc vous pouvez applaudir pour vous-même pour ces performances. Cette dynamique se continue sur 2022, ce qui est plutôt une très bonne chose. Donc nous nous inscrivons dans une croissance maîtrisée et surtout avec une orientation client beaucoup plus forte. Nous tenons à rendre un vibrant hommage à M. Augustin Robert Sagnan, directeur PIB, pour cette initiative louable qui honore les anciens et lui souhaiter une fois de plus plein succès dans ses efforts de valorisation du personnel. Nous appelons tous les collègues à rester unis pour que cette excellente cohésion sociale se réalise. Enfin, au nom de tout le personnel, nous vous souhaitons une excellente année 2022. Bonne fête à toutes et à tous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur notre entreprise et qu'elle nous préserve des mauvaises langues. Amin ya Rabbi.